donne toute ma louange. Lord, I give you all the honor. Et je te donne toute mon adoration. I appreciate you, Lord. Amen. 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 Worship to the Most High. Think about His goodness in your life. Think about all He has done for you and your family. You will see reasons to exalt Him this morning. It's a rare privilege to have opportunity to worship at His throne. Lord, we give you our hearts this morning. Thank you.
this morning. Dieu de te donne tout mon cœur ce matin. Hallelujah. Well, I want to welcome those of you that are watching online. You're welcome to the praise service this morning. And for those of you that are in church, you're welcome. It's time to praise the Lord. Amen.
Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Above all powers, Lord, you rule it all forever. Above all powers, above all people, above all places, you reign it all, you are supreme God, and we bring you sacrifices of praise this morning to recognize your supremacy and majesty and sovereignty, Lord, and the reigns of power above all powers. Au-dessus de tout Jésus. Au-dessus des royaumes, au-dessus
There's no way to measure what you owe.
Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de la prière. Beloved, this morning it's time to pray. Nous allons entrer dans la prière. We're going to enter into a time of prayer. Nous allons prier pour notre église mère aux États-Unis. We're going to pray for our mother church in the United States. Nous allons recommander les dirigeants de l'église entre les mains de l'Éternel. We're going to pray for our head pastors and leaders in the church. Nous prions pour nos deux églises à Marseille. We're going to pray for the churches in Marseille. Nous prions pour les autorités politiques et administratives de la France. We're going to pray for leaders in authority. Nous prions pour cette ville de Marseille. We're going to pray for Marseille. Nous recommandons la ville de Marseille entre les mains de Jésus-Christ. We're going to commit this town of Marseille into the hands of God. Nous prions aussi pour tous les frères et toutes les sœurs présents ici. We're going to pray for all of us that are here this morning. Priez pour le frère ou la sœur qui est juste à côté de vous. You pray for the person just beside you this morning. Et priez pour tout autre sujet que le Saint-Esprit mettra dans votre cœur. You pray for whatever the Holy Spirit is putting in your heart this morning. À la fin de la prière, notre frère Jean-François viendra ouvrir le service. Brother Jean-François will do the opening prayer after the prayer. Élevons nos voix et prions. Lift up your voice as you pray this morning. Sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Seigneur. Béni soit ton nom. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Merci, Père, d'avoir ouvert nos yeux ce matin, Seigneur. Merci d'avoir permis de nous réunir ici en présentiel ou à travers les médias. Merci de nous permettre de nous retrouver dans ces murs, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour te remercier, parce que tu es notre Père, tu es notre Roi, tu es le Dieu Tout-Puissant, le seul Dieu éternel qui est à côté de nous, toujours présent dans nos difficultés, pour nos victoires, Seigneur. Nous sommes là aujourd'hui pour te louer, te remercier, te prier, pour présenter nos difficultés, mais surtout et avant tout pour entendre ce que tu as pour nous, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, que ta parole retentisse aujourd'hui dans ce culte, Seigneur. Ô Seigneur, que la bouche du pasteur qui va nous présenter sa parole soit aussi ta parole et ta bouche, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, béni soit ton nom sur notre pasteur qui porte cette église et sa famille, Seigneur. Bénis-les abondamment. Béni soit ton nom sur les leaders qui aussi participent, ainsi que tous les ministères et leurs membres, Seigneur. Qu'ils aient courage et persévérance dans l'œuvre, Seigneur. Parce que cette œuvre, ce n'est pas seulement les meubles et les murs, Seigneur, mais c'est le cœur de chacun d'entre nous qui y participe, que ce soit activement ou un peu moins. Mais que chacun y trouve sa place, Seigneur, pour te louer, pour te bénir, Seigneur. Tu nous as conduits ici aussi pour porter ta lumière, parce que si nous sommes tes enfants, nous sommes tes héritiers, nous devons porter ton message, Seigneur. Nous devons porter un message qui retentit dans la ville de Marseille, retentit partout dans le monde, que ce soit par l'intermédiaire de l'Église mère, mais par toutes les églises du monde qui veulent porter cette lumière. L'Église qui s'appelle le phare. Et qu'est-ce qu'un phare sinon que porter la lumière? Aide-nous, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur. Que ta parole aujourd'hui, Seigneur, touche chacun d'entre nous, parce que tu as un mot pour chacun d'entre nous. Que chacun puisse entendre ce qu'il a à entendre et comprendre ce qu'il a à comprendre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Somebody has removed my keyboard again. There's too much hand touching that thing. I don't like it. Amen. Amen. Donc de la part de notre pasteur, on behalf of our pastor this morning, et de tous les leaders donc de l'église,
de la part du pasteur et de la part de tous les leaders de l'église. On behalf of our pastor and all the leaders of the Lighthouse Church. Alors nous vous souhaitons la bienvenue à ce culte. We want to welcome you to our service this morning. C'est le deuxième culte du mois de mai. It's our second Sunday in the month of May. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous les frères ou à toutes les sœurs qui nous suivent en ligne. We want to welcome all of you that are watching and following online. Parce que nous sommes suivis dans les réseaux sociaux. Because we are on social media. Donc comme il est d'habitude dans notre ministère, at it in our church, nous avons une tradition d'accueil. We have a way of welcoming visitors. Donc nous aimerions savoir s'il y a des frères ou des sœurs qui nous rendent visite pour la première fois. We would like to know if there is anybody visiting us for the first time. Si vous nous rendez visite pour la première fois, if you're visiting with us for the first time, nous allons vous demander de bien vouloir vous lever. We would like you to rise up from your seat if you're visiting us for the first time. Afin que nous puissions vous accueillir. We would like to welcome you. Et si vous êtes en ligne, vous vous connectez pour la première fois. If you're following online and this is the first time also you're following us online. Voilà, vous pouvez nous envoyer un like. You can give us a thumbs up or just press the like button. Voilà. Est-ce qu'il y a un frère ou une sœur qui nous rend visite pour la première fois à l'église Le Phare? Is there a brother or a sister visiting us for the very first time in Marseille, Lighthouse Church, Marseille? Si vous nous rendez visite pour la première fois, vous pouvez vous lever. We'd like to give you a warm welcome if you're with us for the first time. Amen. Well, we want to welcome our brother from our mother church from the United States of America. Voilà. Bon, soyez la bienvenue. Donc, on souhaite la bienvenue à notre frère qui vient de l'église mère des États-Unis. We are welcome. They are not seeing you. We are welcoming one of our brothers from the mother church in the United States of America. Amen. Amen. Donc nous allons vous communiquer le programme et annonce donc de la semaine. I'll give you the announcement for the week. Donc nous sommes donc, comme je le disais, au deuxième culte du mois de mai. We are on a second Sunday for the month of May. Donc c'est une autre occasion aussi de rencontrer le Seigneur. It's another occasion for you to meet with the Lord. C'est une autre occasion, une autre opportunité aussi qui nous est donnée de recevoir et de passer à un autre niveau. This is another opportunity that God has given us to go to the next level. N'oublions pas que le thème de cette année est passer à un autre niveau. Don't forget that the theme for this year is going to the next level. Amen. Amen. Donc les activités de la semaine. Our activities for the week. Mardi, donc mardi à 18h30, nous avons la réunion de prière et d'intercession. Every Tuesday at 6:30 in the evening, we have our prayer meeting. Mercredi à 18h30, nous avons donc l'étude biblique. Every Wednesday at 6:30, the same time, we have our Bible studies. Donc vous êtes tous conviés et invités. All of you are welcome and invited. Pour ceux qui le souhaitent, sachez que le mardi, vous êtes invités à jeûner. And also on Tuesdays, whilst we have the prayer meeting, we have also fasting. So for those of you that would like to fast, you can fast on that same Tuesday that we are having the prayer meeting. Donc le vendredi à 19h, nous avons les répétitions de la chorale. Every Friday at 7:00 in the evening we have choir practice. Donc si vous souhaitez chanter pour le Seigneur, vous pouvez rejoindre la chorale tous les vendredis à 19h. If you know you have a gift in singing, you can start coming to a choir practice every Friday at 7 in the evening. Et tous les samedis à 9h, nous avons la réunion de prière, une réunion de prière et d'intercession suivie du nettoyage de l'église. And every Saturday morning we have intercessory prayer at 9 and followed by cleaning at 10 a.m. in the morning. Voilà. Donc nous profitons de cette occasion encore pour remercier
l'équipe de nettoyage. And want to take this opportunity to thank the cleaning team of this church. Est-ce qu'on peut applaudir vraiment pour ces Can frères we clap for the cleaning team of this church? Et ces sœurs qui se mobilisent tous les samedis. For our brothers and sisters that are coming every Saturday. Voilà, pour nettoyer, pour garder le temple en état de propreté. To make sure that the church is clean. Voilà. Et que Dieu les bénisse. May God bless all of them. Amen. Donc, à titre de rappel, les parents, veuillez toujours accompagner les enfants lorsqu'ils se rendent aux toilettes. It's just an information and to remind you, please, parents, voilà, when your child wants to use the toilet, can you please take him or her to the toilet? Voilà. Et gardons vraiment les toilettes en état de propreté. And please make sure that after you leave the toilet clean for the next person that will be going to use the toilet. Voilà. Donc, nous avons terminé pour ce qui concerne les annonces. And this is all the announcement for the week. Et s'il y a, des annonces supplémentaires, le pasteur vous les communiquera. If there is any other announcement, pastor will let you know. Voilà. Amen. Amen. Donc je vais inviter le pasteur Bell pour la suite du programme. I would like to invite pastor. Sous vos applaudissements. Amen. Amen. Donc vous êtes encore une fois soyez bienvenus. You're welcome again. Donc alors je suis super ravi de vous voir. I am so happy to see all of you again. Et surtout pour vous qui êtes ici pour la première fois. And for those of you that are worshiping with us for the first time. Franchement, vous êtes chaleureusement bienvenue. You are warmly welcome. Et aujourd'hui, c'est un autre jour que Dieu a montré sa gloire. Today is another day that God is going to show his glory. Comme vous savez, il y a 3 ans que le COVID a rentré dans notre monde. And you know that it's almost 3 years that COVID came à mon to avis, this world. C'est 3 ans, non? Après, à peu près. Deux ans. Et au début de cette crise, and at the beginning of this crisis, nous avions notre sœur, notre maman, notre meilleure amie. Et la première semaine qu'on avait annoncé le confinement, il est tombé malade. You know, pas de COVID, mais autre chose. We have our mother, our sister, our friend, our auntie, somebody that we all love so much. At the beginning of the crisis, during the period of COVID, it was not COVID, but she fell sick. Elle était engagée énormément dans tout le ministère. And she was very involved in every ministry in the church. Donc, depuis là, il n'a pas fréquenté à l'église en cause de cette maladie. And because she was sick, she couldn't be coming to church. Donc, nous avons fait plusieurs visites à l'hôpital, à la maison, hôpital, à la maison. And we did so many visits to see her in the hospital and when she was back home, in and out. Et gloire à Dieu aujourd'hui. And to glory be to God this morning. Dieu a fait grâce. God has given her grace. Elle est parmi nous. And she is with us this morning. Lala. Hallelujah. And Sister Lala is in church this morning. Mama Lala is in church this morning. Pour vous qui êtes un peu peut-être nouveau. For those of you that are new. Elle est là. She is here. Nous sommes heureux. We are so happy this morning, Lala. L'Éternel a gagné. God has won the victory. L'ennemi a échoué. The devil failed. On vous aime beaucoup. We love you, Lala. Merci d'être venu. You're warmly welcome, and we're so happy to see you. Prends le temps malgré toutes les inconvénients. Despite all the inconvenience, tu dis je veux retourner à l'église. You said I want to come to church. C'était notre prière. It's our prayer. Que tu retournes à l'église. That you need to come to church. Nous sommes toujours là. We are here this morning. Vos enfants sont toujours là. Your children are here this morning. Frères et sœurs sont toujours là. Your brothers and sisters are here. Et soyez bienvenus encore une fois. And we are so happy you're warmly welcome again to church. On vous aime beaucoup. We love you, Lala. Que l'Éternel soit béni. May God bless you. Alléluia. Amen. Amen. Donc, aussi pour le,
On avait un petit souci la semaine dernière dans le toilette. Amen. Last week we had a problem Donc, with the toilet. C'est-à-dire un enfant a cassé le tuyau de qui coule l'eau. Amen. So last week Sunday we noticed that one of the kids, we don't know which one, but the kid, one of them break the knob to tirer la chasse to flush the toilet. Bon, d'abord je remercie tous les mamans. Votre patience, amen. Je sais que bientôt on essaye de avoir une place pour les enfants. I know amen. At on times essaye. It's not easy because ouais. like we don't have a place for ben. The children Sunday school. Mais pour faire partie de cette organisation de garder un peu propre les toilettes et tout. But in order for the toilet to be clean. Alléluia, j'aimerais voilà, nous avons plusieurs sœurs qui sont dispo. Pour vous accompagner. So, if your child or your children wants Amen. To use the bathroom, Hallelujah. And you cannot take them, we have sisters at the back, we have the ushers at the back, you can tell them to take them to the toilet. Hallelujah. Nous avons sœur Amanda qui sont dispo. We have sister Amen. Amanda that is always there. Sœur Asina qui sont dispo. Sister Asina also is there. Qui encore? Hein? Elle est dispo et sœur Zainab aussi elle est dispo pour ça. Alléluia. And Zainab and Koulex also is at the back. Et frère Koulex, alléluia. For the boys, si, yeah. Donc pour les garçons et pour les filles, c'est amen. Donc pour bientôt par la grâce de Dieu, tout ira bien. Alléluia. By the grace of God, everything will be okay. But please, des fois just... tu veux quelque chose, tu as un projet, tu as un planning, mais at times you have a planning, you have a project, but it's Hallelujah. Not in your hand. Donc ensemble, hein, on est tout dans cette, on peut dire management des salles. Hallelujah. So what I want to say, all of us are involved in keeping the making sure Amen. That the toilet is clean. Donc vous n'avez pas besoin plein de vous consulter. Des gens qui sont responsables, on va le prendre en charge de ça. Hallelujah. So if you know your child wants to use the bathroom, just go with the child to the bathroom. Amen. Amen. Donc, finalement, j'aimerais remercier l'équipe. J'étais en déplacement. I want to thank the leaders. I was not around. Donc, gloire à Dieu. Et l'église a bien roulé. Amen. I want to thank God because everything went et, on well in the church whilst I was away. Aussi, moi aussi, c'était bien avec le déplacement que and j'avais. Amen. The reason why I traveled, everything went on well. Dieu m'a fait grâce. God gave me grace. Aller-retour. To go and come. Et gloire à Dieu, je suis là encore. And I want to thank God I'm here again. Pour vous servir. Hallelujah. To serve you all. Amen. Merci pour votre prière. Thank you votre for, amour, thank you for your prayers, le for mot your love, que vous m'avez envoyé, pasteur, on vous manque, on prie pour toi, alléluia. All the messages that you sent c'est, to me. C'était très très touchant et donc je sais que j'ai une famille qui m'attend, alléluia. It was the messages were so touching. I know that I have a family that was waiting for me and I'm here this morning. Et en plus pour avoir ma chérie, alléluia. Ma chérie, il me manque beaucoup, mais quand je le revois, je dis merci Seigneur, je me trouve encore ma chérie. Alléluia. And elle s'appelle Mathilda. Okay, laisse tomber ça. Si vous êtes anglophone, voilà. Si vous êtes anglophone, je ne comprends pas ce que je dis. Bon, désolé. Bon, écoute, bon, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Amen. Now we are going to enter into the word of God. Avant que je rentre dans la parole de Dieu, before I start preaching, Dieu aussi nous a fait grâce. Nous avons notre frère Mike. Amen. God has given us so much grace. We have our brother Mike. Mike, c'est un ancien travailleur d'Apple, États-Unis. Mike was working for Apple in the United States. Donc, il travaille avec une grande intelligence dans le média. He has a lot of intelligence in media. Et donc, je me rappelle la dernière fois que j'étais aux États-Unis, il m'a dit j'ai quitté Apple pour travailler pour l'église. And pour I remember le média. The last time he told me, you know, I stopped working at Apple. Just Parce so I can able to work in church. Ça prend beaucoup de temps. Because it takes a lot of quand time. Quand je travaille pour Apple. When I work for Apple. Mais franchement, ce n'est pas une décision légère. It's not a light decision to take. Il aide beaucoup Pasteur Rona et l'église globale. Come again. Il
Il aide beaucoup le pasteur Wona, notre pasteur. He's helping our head pastor and the mother church in, in Tucson. Il travaille beaucoup partout dans le monde pour prendre des témoignages, pour voir comment l'église dans le monde entier déroule. And he works around the world. He goes to visit our other churches et to aussi take testimonies. Fait un peu de fraternité avec nos frères et sœurs dans ensemble mondial. Hallelujah. And to meet with other brothers and sisters in our fellowship donc, across the promise, world. Je vais passer à Marseille. And he said I'll be coming to Marseille. Pour prendre des témoignages, des clips, parce qu'en juin on va publier un documentaire de l'Église globale à États-Unis. And he's here to take to have testimonies film, from us and take pictures and do some filming because in June, which will be our conference in our mother church Hallelujah. In America, they're going to show the clips and whatever he did here in Marseille. Et donc je peux pas parler beaucoup. I will not say too much. Je vais inviter frère Mike. I want to invite brother Mike. Et en plus, viens Mike, viens. Je me rappelle en 2000. Viens. I think it was in 2000. Son père, c'est un soldat américain marine. His father is an viens, American comme, marine. Donc je pense qu'il était 4 ans quand quand j'ai fait les formations aux États-Unis. When I was there at United Voilà, States. On fait des assisting in the conference. Voilà, et on est là pour faire la conférence et aussi comment est-ce discipleship classes. Bon, formation en général. Amen. Donc conference son père dealing with discipleship. Son père c'est lui qui m'avait pris en charge. Mike, oui. Ah oui. Ah oui. Il était petit, amen. Mais aujourd'hui Mike est là, je me rappelle you were 4 years of age I think. Yeah. Yeah, okay. Well, je te laisse là, je te laisse. Là. Hello everybody. Bonjour à tous. My name is Michael. Je m'appelle Michael. I live in Tucson, Arizona. J'habite à Tucson, Arizona. It's my first time in Europe. C'est ma première fois que je viens en Europe. It's very very cool, very awesome. C'est trop bien. I grew up in church since I was a little boy. J'ai grandi à l'église depuis que je suis tout jeune. And my parents were saved. Mes parents étaient sauvés. But at a certain point, I had to make a decision if I was going to serve God. Mais j'ai dû faire un choix pour savoir si j'allais servir Dieu. And it was a decision I didn't take lightly. C'est une décision que je n'ai pas prise à la légère. I had a lot of opportunities at school. And j'avais plusieurs opportunités à l'école. But what I realized is that there's no better place than the house of God. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il n'y avait aucun meilleur endroit que dans la maison de Dieu. And I'm so grateful for all the people in church that supported me and helped me. Et je remercie Dieu pour la vie des personnes qui m'ont encouragé, qui m'ont aidé. And for my parents who chose to serve God with their lives. Et pour mes parents qui ont choisi de servir Dieu. And when I was in high school. Et quand j'étais au lycée. I was inspired to do media and technology. Et je voulais faire tout ce qui est média et tout ce qui est tech informatique. And I realized that it was a way that we could reach the world even more with the gospel of Jesus. Et pour moi, c'était un moyen qu'on pouvait utiliser pour évangéliser. And so it's such a privilege today to be here to share with you that goodness. Et c'est un privilège pour moi d'être ici et partager ce don. And to capture what God is doing here. Et capturer Marseille. Ce que Dieu fait à Marseille aujourd'hui. So thank you for welcoming me. If I have a camera in your face. Merci de m'accueillir si j'ai une caméra dans I'm votre sorry. Visage. Je suis désolé. But it's going to be good. Mais ça sera bien. Donc merci. And thank you to pastor for welcoming me and the church as well. Merci au pasteur et à l'église de m'accueillir. Thank you. Merci beaucoup. Thank you Mike. Amen. Donc je passe directement dans la parole de Dieu. Amen. Quoi? Oui, je passe dans la parole de Dieu. Amen. Donc je ne peux pas perdre le temps. I won't waste more time. Je vais inviter I will invite la personne the person qui va m'aider à traduire aujourd'hui, that will help me translate qui est uniquement and uniquely, qui est mon fils. Hallelujah. My son. Qui l'église, frère Adé, normalement frère Adé s'appelle le petit pasteur. Hallelujah. Applaudir l'éternel. Oh là là, il est vraiment. Ouh.
Oh là là. Oui, c'est oh là là. Amen, amen. Donc je vais prêcher en anglais, lui il va traduire en français. Alléluia. Amen. So God bless you. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. La semaine dernière, c'est lui qui l'avait fait l'annonce et tout. Et merci à tous les leaders. Thank you for all the leaders. All the leaders like Hubert, Orlando, merci pour tous les dirigeants comme le frère Orlando et le frère Robin, le frère Fulgence, that has helped him to become who he is, you know. Qui m'ont aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. And God bless you, amen. Et que l'Éternel vous bénisse. Please let us pray. Alors prions. Seigneur, nous sommes venus devant ta face ce soir, ce matin. Nous venons par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là pas pour perdre le temps. We are not here to waste our time, but we are here to have an encounter. This morning, I am asking humbly that every heart, every soul, online and present, will be connected to your word and to your will. Supernaturally, Lord, there will be an encounter with every one of us this morning that will supernaturally change destinies, bring down the glory, that our lives will be more better than we came in this morning. We humbly turn this meeting into your hand. I commit my son as he translates. I commit the hearers online and present. May all of us be connected to the voice of the Holy Spirit, because you're about to speak a transformational word that will forever live our life transformed, delivered, saved, and blessed. Holy Spirit, take control in Jesus' name. Amen. I want to preach this message quickly. A sermon I titled "The Battle with Unbelief." Je vais prêcher rapidement un message que j'ai intitulé "Le combat avec la non-croyance." Every believer is fighting a battle. Chaque croyant combat une bataille. And as I begin to present my message, et en présentant le message, you may begin to say yes, pastor, I'm fighting a battle. Vous allez peut-être affirmer que oui, pasteur, je combats une bataille. I don't know which battle you're fighting. Je ne connais pas le combat que vous êtes en train de combattre en ce moment. Kind of a battle. Mais nous avons tous une bataille. Am I beginning to speak to somebody? Je parle à quelqu'un ce matin. But the good news this morning, mais la bonne nouvelle ce matin, with all these battles, avec toutes ces batailles, we have made this decision, nous avons fait cette décision to put this battle behind us, or put it aside. Ou de mettre cette bataille de côté, ou de la mettre derrière nous. And say, you know what? Et on s'est dit, bon, tu sais quoi? I must find myself in the presence of God. Je dois me retrouver dans la présence de Dieu. And I want to say congratulations. Je vais vous dire félicitations. You have already made a statement. Vous l'avez déjà fait, vous l'avez déjà dit. And the devil on. He had that statement. Et le diable a entendu cette phrase. That no matter what he does, que peu importe ce qu'il va no faire, matter what battle you are going through, et peu importe quelle bataille tu traverses, you will come out stronger. Vous allez en ressortir plus fort. That you entered it in Jesus' name. That's why you're here. Vous êtes am I speaking sorti. To somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? We are all fighting the battle. Nous combattons tous une bataille. And amazingly, et surprenamment, as we read the word of God, en lisant la parole de Dieu, you begin to find out that men of God also went through battle. On commence à se rendre compte qu'aussi les hommes de Dieu traversent Jacob, les batailles. Nehemiah, Abraham, Samuel, Jacob, Néhémie, Samuel, David. We can name them, the prophet. On peut les nommer tous les prophètes. And even Jesus fight his own et même Jésus battle. A combattu sa bataille. So, let me just say this. Et je vais vous dire quelque chose. Spiritual battle. Une bataille spirituelle. And not made to break us ne sont pas faits seulement pour nous briser. But they are there to make us. Mais ils sont là pour nous former. Hallelujah. They're Hallelujah. There to make us. So, if you have your Bible, please turn with me to the book of Genesis, chapter 32. Et si vous avez vos Bibles, tournez avec moi au livre de Genèse, chapitre 32. And we want to read from 22 to 30. Et nous allons lire de 22 à 30. Because these battles, car ces batailles, actually comes viennent when our expectations, quand nos espérances,
our hopes, quand notre espoir, and more especially our prayers, et surtout quand nos prières are not met, ne sont pas répondues. And what happened, et ce qu'il se passe, the enemy knows, c'est que l'ennemi sait. Listen to me, the enemy knows, écoutez-moi, l'ennemi the enemy sait. Knows your battle. L'ennemi connaît tes batailles. He is a spiritual being. C'est un être spirituel. He knows what, how he can get us. Il sait comment il peut nous avoir. He knows our strength. Il connaît nos forces. He knows our weaknesses. Il connaît nos faiblesses. He knows the time we begin to doubt the word of God. Il connaît le moment où nous allons commencer à douter de la parole de Dieu. And he begins to throw thoughts and thinking. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il va commencer à jeter des mauvaises pensées. I need your undivided attention. J'ai besoin que vous soyez très attentifs. Because if we can understand, car si what nous I'm pouvons comprendre la parole about to preach, que je vais prêcher, and thanks to Brother Hubert's message last week. Et je remercie le message pour le frère Aubin pour le message de la semaine dernière. Influence this message I'm preaching. Et ça, cela a influencé le message que je prêche. Especially when he spoke about prayer. Surtout quand il parle de la prière. Because sometimes we pray. Parce que parfois nous prions. And we are waiting for immediate. Et nous attendons pour une réponse immédiate. And when we don't have that immediate response. Et quand nous n'avons pas cette réponse immédiate. We give up. Nous abandonnons. And the enemy takes charge. Et l'ennemi prend le relais. But may I say this to you. Mais je vais vous le dire. The enemy will not win in Jesus' name. L'ennemi ne va pas gagner au nom de Jésus. God is strengthening us. This morning. Dieu va nous fortifier ce matin. Alléluia. Amen. The battle with unbelief. Et le combat avec la non-croyance. So let's go to the scripture. Alors, the scripture allons lire l'écriture morning. Ce matin. Genesis 32, 22 to 30. Genèse 32, 22 à 30. Oh, thank you. Somebody say thank you, Jesus. Que quelqu'un dise merci Jésus. Say God help me this morning. Dites Seigneur aide-moi ce matin. Let's read from 22. Et lisons de 22. That night, Jacob got up and took his two wives and his two female servants and his 11 sons and crossed the ford of Jabbok. Je vais lire en anglais. Vous pouvez suivre si vous avez la Bible français. Donc je peux pas répéter. On peut pas traduire le lecture. Hein. So moi, you will read in English and if Alleluia. You have the French amen. Bible, you can follow. Donc pour qu'on avance vite, amen. So we can go. So Jacob was left alone and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched a socket of the hip so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The man asked, "What is your name?" Jacob answered. Then the man said, "Your name will no longer be called Jacob, but Israel, because you have struggled or wrestled with God and with human and have overcome." I pray that somebody become an overcomer this morning in Jesus' name. Hallelujah. Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him. May somebody be blessed this morning. Hallelujah. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." Hallelujah. So, alors, this battle comes in this form. Cette bataille vient dans cette forme. We are reminded that the Bible says we wrestle. Et la Bible not nous dit against flesh, que nous ne combattons pas contre and la chair against blood, et le sang, but against principalities, et contre les principautés and powers, et les puissances and spiritual wickedness, et contre tous les esprits mauvais in high places. Et dans les lieux très hauts. We are reminded also, et on est rappelé aussi that there is a weapon the enemy uses. Qu'il y a une arme que l'ennemi utilise. He says, "For the weapons of our warfare are not." Car les carnal, armes de notre bataille ne sont pas charnelles. They are mighty in the pulling down of strongholds. Mais ils sont puissants à travers l'éternel qui les fortifie. So immediately we are shifting. Et nous allons d'un côté. From a physical battle. Et nous partons d'une bataille physique. To a spiritual battle. Et nous allons vers une bataille spirituelle. Let me honestly ask this question. Et je vais poser cette question de façon très honnête. As I'm preaching right now. Et en prêchant maintenant. How many of you are going through battles? Combien d'entre vous traversent des batailles? Hallelujah. Thank Alleluia. You, Jesus. Amen. I may not promise you that the battle is going to end now. Je ne vais pas vous promettre que la bataille va se terminer because maintenant. Because sometimes God allows this battle. Car parfois Dieu permet à ces batailles to bless us at the end. De nous bénir à la fin. But what I'll promise you. Mais ce que je vais vous promettre. You will prevail. Vous allez conquérir. Vous allez vaincre.
I said you will prevail. Vous allez gagner. C'est ce que nous venons de lire. The battle with unbelief. Et la bataille avec la non-croyance. The battle with unbelief comes. La bataille avec la non-croyance like arrive. Like Jacob. Comme Jacob. As we read. Comme nous l'avons lu plus tôt. He is a child of promise. Et c'est un enfant de promesse. Just like every one of us here. Comme chacun d'entre nous ici. Which means. Ce que signifie. There are projects. Il y a des projets. There are things you believe in God for. Il y a des choses pour lesquelles tu crois en There Dieu. There are things you're praying for. Il y a des choses pour lesquelles tu pries. You are fasting for. Il y a des choses pour lesquelles tu jeûnes. The things you say is God. Il y a des choses pour lesquelles tu dis Dieu. I pray. Je prie. As I'm preaching this, I'm preaching it to myself. Et en prêchant, je le prêche à moi-même aussi. If you imagine, if God can give you an insight into my mind. Si Dieu pouvait vous donner un indice de ce que dont if je God pense. Can give you an insight into my thinking. Si Dieu pouvait vous donner un accès à mes pensées. If God can give you an insight into the project I'm believing God for this church si Dieu and this ministry. Donner, si Dieu pouvait vous donner un accès à ce que dont je pense pour ce ministère. Honestly, you may not even believe. Honnêtement, vous ne pouvez même pas y croire. I'm carrying all of this weight every day. Que je porte tout ce poids chaque jour. Hallelujah. Hallelujah. And in the process of time. Et dans le processus du temps. I begin to ask God questions. Je commence à questionner l'Éternel. I begin to say, God, when? Et je vais demander à Dieu Because quand? There are promises all over. Car il y a des promesses tout autour. There's a time I reminded God. Il y a un temps j'ai rappelé à Dieu. I said, God, when in fact you first called me to France. Et j'ai dit quand tu m'as appelé pour la première fois pour I venir en France. It automatically. I said, et no. J'ai rejeté immédiatement, j'ai dit non. And it keep on insisting et and insisting. Et il a continué à insister. In the process of time, et dans le processus du temps, I surrendered. I was wrestling like Joseph, like et Jacob. Et je combattais comme Jacob. I says God. J'ai dit Dieu. There is so much. I don't think this is for me. Il y a tellement de choses, mais je ne pense pas que c'est pour moi. There's so many opposition. Il y a beaucoup d'opposition. And this is the time the enemy begin to speak to you. Et c'est là où l'ennemi va commencer à te parler. You remember? Tu te rappelles? Message. Est-ce que tu te rappelles du message d'Oba? Some of these problems they have ears. Que certains de ces problèmes ont des oreilles. Hallelujah. Est-ce que vous vous rappelez? You either accept it, soit vous l'acceptez, or you reject it. Ou soit vous le rejetez. Hallelujah. Alléluia. And the enemy begins to speak to et me. L'ennemi commence à me parler. I thank God for my pastor. Et je remercie l'Éternel pour mon pasteur. He noticed the resistance. Il a remarqué la résistance. He said, I will send you to France. Et je vais t'envoyer en France. To meet Pastor Charlie. Pour que tu puisses rencontrer le pasteur I Charlie. Came. Et je suis venu. In my quiet time, I was battling. Et dans mes temps calmes, j'étais en train de me battre. And by then, et à ce moment-là, I was leaving a church et j'ai quitté une église of approximately 600 people d'approximativement 600 personnes, three baby churches et 3 enfants écoles du dimanche, and 14 Bible studies group et 14 groupes d'études bibliques, so many, et beaucoup de choses. And I came to France. Et je suis venu en France. I was battling. Et j'étais en train de me battre. I was fighting. Et je me combattais. It's unbelief. Et c'est même impossible à croire. Amen. Amen. We all go through that. Nous traversons tous ce genre you de choses. A project, you nous have avons a vision, tous un projet, un you vision. Have something. Nous avons quelque chose. Like Joseph, like Jacob, comme as we Jacob, are looking. Comme nous le voyons ici. Jacob. God gave him a prophecy. Dieu lui a donné une prophétie. Possibly we may want to look at it in Genesis 28. Et nous pouvons regarder en cette prophétie en Genèse 28. Because this is where the battles begin. Et c'est là où la bataille commence. Hallelujah. Hallelujah. That's where the battle begins. C'est là où la bataille commence. In Genesis 28. En Genèse 28. The Bible says. La Bible dit. That there was an issue. Il y avait un problème. Between Jacob, entre Jacob and Esau from birth, et Isaac de la naissance et Esau des eaux, and in the process of time, dans le processus, the Bible says that Jacob was able to somehow divinely took the birthright of his brother, et Jacob a pu avoir le droit de naissance de son frère. So it creates a lot of problem in the family. Et ça crée énormément de problèmes dans la famille. So from 28, I think 10. Jusqu'à de 28 de chapitre just to be brief, 1 jusqu'à 10. Pour the bref, Bible says. La Bible nous dit. Jacob was running away. Et était en train de fuir. And as he was running away. Et en fuyant. He felt asleep. Et il s'est endormi. So as he was sleeping there. Et en dormant là-bas.
The Bible says he have a vision, a dream. La Bible dit qu'il a eu un songe. Because God spoke to him. Car Dieu lui a parlé. In Genesis 28. Dans Genèse 28. That you will return back to your family. Que vous, tu vas retourner vers ta famille. I will bless you. Je vais te bénir. You, your descendants will be like the sand of the sea. Sera comme le sable de la many, mer. Many promises was et made to plusieurs, plusieurs promesses ont été faites. And this is really where I saw the grace of God. Et c'est là où j'ai vu la grâce de Dieu. Honestly, grace have level. Honnêtement, la grâce a des niveaux. Grace have colors. Et la grâce a des couleurs. Grace have stages. Et la grâce a des étages. With all that happened to Jacob. Dans tout ce qui s'est passé, tous ces problèmes de Jacob. Il était déçu. He lied. Il a menti. He stole the birthright. Et il a volé le droit de naissance. And now he was running away. Et maintenant il fuyait. But in the process of time, mais dans le processus du temps, this is the time, c'est là, or something I called, c'est là où je vais when grace speaks for you, quand la grâce parle pour toi, it cancels all condemnation against you. Ça annule toutes les condamnations contre toi. And I pray that happens to some of us this morning. Et je prie que ça se que cela se passe. God said to Jacob. Et Dieu a dit à Jacob that I will bless you. Que je vais te bénir. I will cause your descendants. Je ferai que tes descendants will be like the dust of the earth. Sera comme la poussière de la terre. You will spread out to the west and the east, the north and the south. Vous allez vous multiplier vers le nord, vers le sud, vers l'ouest et l'est. Jacob. Et je suis avec toi, Jacob. I will watch over you. Je vais te veiller sur toi. Wherever you go. Et là où tu iras. I will bring you back to this land. Et je te ramènerai sur cette terre. I will not leave you. Je ne vais pas t'abandonner. Until I have done what I have promised. Genesis 28, 10 to 15. Jusqu'au moment où je vais accomplir toutes mes promesses. Listen. Amen. Many of you, et plusieurs d'entre vous, many of us, et plusieurs d'entre nous, definitely, sûrement, this is going to be a life is a game changer. Ça va être un changement. Imagine God telling you that. Imagine Dieu vous dit cela. But what happened? Mais ce qui s'est passé? It's not going to be instant. Ça ne va pas être de façon instantanée. Can I have an amen? Est-ce que je peux avoir un amen? It's not going to be something that he, in fact is in the future. Ça va être dans le futur même. But the problem comes. Mais le problème arrive. Years after year. Juste des années après années. Year after year. Année après année. I think it took Joseph 20 years. Et je pense qu'il a pris Joseph 28 ans. Jacob 20 years. 20 for ans. It to materialize. Et ça a pris 20 ans pour que toutes les promesses soient matérialisées. In the process between the declaration. Dans le processus entre la déclaration and the manifestation. Et la manifestation. There's going to be a battle. Il va y avoir une bataille. Are you going to hold on to the promise? Est-ce que vous allez tenir bon à la promesse? Or are you going to abandon the promise? Vous allez abandonner cette promesse? There is a promise of God over your life this morning. Il y a une promesse de Dieu sur vos vies ce matin. There is a promise of God over your family this morning. Il y a une promesse de Dieu sur votre famille ce matin. It's our responsibility. C'est notre responsabilité. To hold on. De tenir bon. And not to give it up. Et de ne pas abandonner. The devil is a liar. Car le diable est un menteur. He will not win in Jesus' name. Il ne va pas gagner au nom de Jésus. So the process. Et le processus. Is what we are addressing. C'est ce que nous adressons. Unbelief. Et la non-croyance. Doubt. Et le doute. Fear. La peur. How many of you the devil have spoken to? Combien you? D'entre vous le diable vous how a parlé? How many times the devil have spoken to my ears? Combien de fois le diable est venu me parler? He says, Desmond. Desmond. It's a lie. C'est un mensonge. Your ministry will never grow. Ton ministère ne va jamais grandir. You will never make an impact. Tu ne vas jamais faire d'impact. And sometimes we tend to believe. Et parfois on est tenté de croire à cela. We are humans. Nous sommes des êtres humains. Because it's like everything around you. Car c'est comme tout autour de nous. Things seems to be true what the devil is saying. Et tout ce que le diable disait, ben ça semble être vrai. How many of you have fallen sick before? Combien d'entre vous vous êtes tombé malade avant? Have you ever had this voice when you're sick? Est-ce que vous avez déjà entendu cette voix quand vous êtes malade? The devil calls. Le diable arrive. It is done. C'est fini pour toi. You are going to die. Tu vas mourir. I see some people smiling. See, yes, Pastor SB. Battle to be. How many of you those things have happened? La bataille avec la non-croyance. To the point that you believe it so much. Le moment même, tu as tellement y croire. And you sleep. Tu vas même dormir. And it's like you saw yourself dying. Tu es en train de te voir mourir. And you wake up from the sleep. Blood of Jesus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. I rebuke it. Et je le rejette. Tu as convoqué une prière, une intercession. You pray. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Have you ever happened to you? Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
The way I've seen Bueno Mavi smiling. Possibly this week tonight, I think he binds some devils. Même ce soir, il a, I refuse it in the name of Jesus. Je refuse au nom de Jésus. It is not my portion. Ce n'est pas ma portion. I will not die. Je ne vais pas mourir. I will live. Je vais vivre. And celebrate. Et je vais célébrer. The name of the Lord in the land of the living. Et le nom de l'Éternel dans les terres des vivants. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Battle with unbelief. Le bataille avec la non-croyance. You have an interview for a job. Vous avez un rendez-vous, un entretien pour un travail. You have an exam. Vous avez une exam. The devil begins to speak. Le diable commence à parler. You are going to fail. Tu vas échouer. And if you believe, et si vous croyez, you will fail. Vous allez échouer. As a man think in his heart, and comme un homme pense dans son cœur, so is he. C'est comme ça qu'il est. I am actually preaching part two of Obey's message. Je vais prêcher, je prêche. Some of these things have to, we have to speak to them. They have ears. Et certains de ces problèmes, can I have amen? Vous devez parler parce qu'ils ont des oreilles. Amen. So Jacob, Jacob was fighting this battle. Combattait cette bataille. He was fighting it mentally. Il le combattait mentalement. He was fighting it psychologically. Et il le combattait psychologiquement. He was fighting it emotionally. Il le combattait émotionnellement. And it comes with questions. Et ça venait avec des questionnements. Am I speaking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Let me repeat it. Je vais les répéter. You're fighting it mentally. Vous le combattez mentalement. You're fighting it psychologically. Psychologiquement. You're fighting it emotionally. Émotionnellement. And at the same time, it comes with questions. Et en même temps, ça vient avec des questionnements. Hallelujah. Hallelujah. So this was what Jacob. Alors c'est ce que Jacob was going through. Traversé. God, you promised me this. Tu m'as promis cela. You promised me that. Tu m'as promis cela. Every child of God is a child of destiny. I declare in the name of Jesus. Chaque enfant de Dieu est un enfant de destinée. Je le déclare au nom de Jésus. He says, as many as received him. Et pour ceux qui l'ont reçu. To them he have given the right. Il leur a donné le droit. But right to be sons. Il leur a donné le droit de naissance d'être fils et filles. De Dieu. And no one will take it from et personne my ne pourra le prendre because Jesus died on car the cross Jésus est mort sur to la croix deliver me pour me délivrer from the powers of darkness des puissances des ténèbres into the power of God jusqu'aux puissances de and Dieu given me rights et il m'a donné le droit and dominion et la domination and adopt me et il m'a adopté into the family of God. Dans la famille de Dieu. That's why c'est pour cela we are born again. Que nous sommes nés de nouveau. Hallelujah. Hallelujah. You are born again. Vous êtes nés de nouveau. You have no fear for the devil. Aucune crainte du diable. Because God has not given you the spirit of car fear, Dieu ne vous a pas donné l'esprit de peur, power, mais de puissance, and of love, et de l'amour, and of sound mind. Et d'un esprit clair. He told me in his word, et il me dit dans sa parole, nothing shall separate me et rien ne me séparera from the love of God, de l'amour de Dieu, no tribulation, et aucune tribulation, no powers of darkness, aucune puissance du ténèbre, no death, et aucune mort, no witchcraft, et aucune sorcellerie, no destiny killer, et aucune destinée. Because the Bible says, car la Bible nous dit, in all of this, dans toutes ces choses, I am je suis plus que conquérant pour ceux qui croient. I believe. Et je crois. Say with me, I believe. Et dites avec moi, je crois. So who is the devil? Why can you listen to that? Et pourquoi vous allez écouter au diable? I know it's hard. Je sais que c'est dur. Let me give you a testimony. Je vais vous donner un témoignage. 1997. En 1997. Just after my marriage. Juste après mon mariage. I got married in 1996. Il s'est marié en 1996. And as you know, et comme vous le savez, I grew up, we are African culture. Dans une culture africaine. First thing the in-laws are waiting for. La première chose que les belles-mères, les beaux-pères attendent. Neighbors, friends. Les amis, les voisinages. Is to see if your wife is going to get pregnant. C'est de voir si ta femme va tomber enceinte. C'est normal. The truth is, I've been waiting all time. Et la vérité, c'est que j'ai attendu. Hein. 5 years I've been waiting. Ah, j'ai attendu pour 5 ans. Because when I got saved, parce que quand j'ai été sauvé, I have to follow biblical principles. Je devais suivre des principes bibliques. Hallelujah. Hallelujah. No more sex outside of marriage. Plus de relations immorales en dehors du mariage. No more kissing. No more girlfriend. Plus d'embrassage. Plus de petits copains. De petits. If any man be in Christ, car pour ceux qui sont en Christ, new creation. C'est une nouvelle création. Through the grace of God, et à travers la grâce de Dieu, He saved me. Il m'a sauvé. I should have possibly died with some kind of STD and all kind of nonsense. J'aurais pu tomber malade avec des MST et toutes ces maladies. Grace speaks on my behalf. Mais la grâce a parlé pour I moi. I pray that grace speaks on somebody's behalf. Et je prie you pour que la grâce prie de you will not de votre know côté. How important the grace of God is. Et vous n'allez même pas connaître l'importance de la grâce de Dieu. When
others fail, Dieu, quand les autres vont échouer, in the same thing you are going through, dans la même chose dont vous traversez, and then when you arrive there, et quand tu y arrives, you cross over, tu réussis à traverser. You ask how, et vous allez demander comment. It is called, ça s'appelle grace, la grâce. And I pray you receive that grace this morning. Je prie que vous receviez cette grâce ce matin. For this week in Jesus' name. Et pour cette semaine au for nom de Jésus. For this month in Jesus' pour name. Pour ce mois au nom de Jésus. For this year in Jesus' name. Et pour cette année au nom de Jésus. Somebody says grace is a scandal. Que quelqu'un dise la grâce est un scandale. Because you cannot understand it. Car vous ne pouvez pas le comprendre. You mean, sometimes that's why people ask why me. C'est pour ça que certaines am personnes I not demandent, praying the same prayer that brother pourquoi prays? Pourquoi moi je ne prie pas je like prie Jacob. La même prière que so back to my story, brief. Et de retour à mon histoire brièvement. So in the first couple of months, et dans le premier mois, my wife begins to have complications. Kind of, I don't know if it's complication or what. But alors sa femme a commencé à avoir quelques complications. I think she was 21 years of age. Je crois que elle avait 28 ans. Elle était super jeune. J'ai dit 22 ans. Non, t'as dit, ok, 22 ans. Elle était jeune, mince. She was Halloween. Very, she was very slim, très belle, very nice, very je m'admire beautiful, en, même en distance, even from far. Je te regarde cette fille, I can say wow, que Dieu m'a donné spécialement, look at this woman that God created, and fabricated, and named pour Desmond Bell, for oh no, la for la. Desmond Bell. Okay, on laisse tomber ça. So, alors, I ask only. What about? Alors, j'ai demandé chérie. Non, pas moi. Il a demandé oh, chérie. Sorry, pardon, oui, pardon, pardon. We need a child. Can we or can? Nous avons besoin d'un enfant. Est-ce qu'on peut? Okay. On peut pas? He says no problem. Elle a dit bon, pas de souci. So we said okay. Alors, ils ont dit d'accord. We begin to pray. Et on a commencé à prier. But when we are praying. Et quand ils priaient. You know, then he began to. I don't know if I ever shared it with her. Je sais pas si j'ai déjà partagé avec elle. Then he began to speak to my ears. L'ennemi a commencé à parler commencer à me parler. Your wife will never give birth. Ta femme ne va jamais tomber enceinte. J'ai dit quoi? And you know. Et vous savez. And especially when kind of medical things begin to come up. Et surtout quand les choses médicales commencent à arriver. You are hearing this voice. Your wife will never give birth. Et tu entends cette voix. Ta femme ne va jamais in accoucher. Fact, as for you, Desmond. Et même pour toi, Desmond. You have wasted all your life in girls. Tu as perdu toute ta vie dans les femmes. You don't even have enough strength to have a child. Tu n'as même plus assez de force pour avoir un enfant. Then the question comes. Et la question arrive. Which report would you believe now? Et quel message vas-tu croire maintenant? I don't know who the devil is speaking to you. Je I don't know. Je ne sais pas à qui le diable parle en ce moment. The devil is speaking to your ears right now. Mais tout ce que le diable est I condemn it in the name of Jesus. Je le condamne au nom de Jésus. That's what the Bible says. C'est ce que la Bible dit. And I refuse it. I reject it. Je l'ai refusé. Je l'ai rejeté. I says no. J'ai dit non. My wife is going to. I don't know if she. Je ne sais pas. Some people pray, some people je ne sais pas fast. Si des gens jeûnent ont prié. Amen. And keep on praying. That's why I says it's a battle with unbelief. Et continue à prier car c'est pour ça que j'ai dit c'est une bataille avec la non-croyance. Then finally, et finalement, my wife, sa femme, came ma mère, day, honey, et il a dit chérie, je suis enceinte. I am pregnant. J'ai dit wow. C'est wow. Alléluia. Alléluia. Mais il y a rien, j'ai rien dit. I didn't say anything. Mais après des semaines, after weeks, des mois, ça commence à pousser, pousser. The belly begins to grow. Je dis wow. I said wow. Je dis diable. I said devil. Vous voyez? You can see. Ce que Dieu est capable à faire. What God what can do. God cannot do. Ce que Dieu ne peut pas faire. Never existed. N'existe pas. But there must be a determination. Mais il doit y avoir une détermination. To fight. Pour combattre. How many fighters are here this morning? Combien de combattants sont là ce matin? How many fighters? Combien de fight combattants for your sont future, là? Fight for your de combattre pour votre famille, pour votre futur. So now, alors maintenant, the devil finally hooked me up. Le diable m'a réussi à m'accrocher. I will confess. Je vais confesser. I gave up. J'ai abandonné. The time to deliver. Et au moment pour accoucher. Beverly. Complication. Il y a eu des complications. So Beverly. I was still young. I have no idea. J'étais toujours un peu jeune. Et en plus, tu sais, en Afrique, you know, even in Africa, l'hôpital, the hospital is. Si tu passes là-bas sans problème, if you go there without any problem, it's a miracle. Je te dis la vérité, c'est un miracle. If you go there, you come out without any problem, it's le a miracle. Le médecin toujours les devine. So the doctor, the nurse, the guest, il devine. On laisse ça. They will call some medical terms that even the devil will be shocked. Ils vont même appeler des termes médicaux que même le diable va être choqué de ces termes. And what happened? Et ce qui s'est passé?
I remember the doctor told me the baby is transverse. Mathis, c'est ça? Hein? Vous les femmes, dites-moi. Non, le bébé ne peut pas tomber parce qu'il est... Non, pas ciséré. Instead of this way, it's this way. Ah, ok. Le bébé, au lieu d'être à la verticale, il est à l'horizontale. So, we'll have to do emergency. Et on devait faire... They have to turn it. Il devait tourner... So, but what I was battling with... Et ce dont je combattais... Is the voice of the devil. C'est la voix du diable. One, the child will never be born. Déjà, de une, l'enfant ne va jamais naître. Your wife is going to die. Déjà, ta femme. Have the enemy ever spoke those kind of things? Est-ce que ta femme? Let's be honest. Le diable a déjà parlé. All this thought begins to come. Et toutes ces pensées commencent à arriver. And how you manage it with her? Et comment tu vas le gérer avec elle? I begin to pray. Je commence à prier. Fast. Et jeûner. Get the church involved. Et même j'ai demandé à l'église de prier pour nous. And supernaturally. Et d'une façon surnaturelle. The day came to deliver. Le jour est venu pour accoucher. Mathieu, je me rappelle plus. Voilà. Miraculously. Et de façon miraculeuse. My daughter turned. Ma fille s'est retournée. And she gave birth normal. Et elle a pu accoucher de façon normale. Is, et c'est la question est. L'ennemi will always try to intimidate you. Va toujours essayer de t'intimider. I like the way Renard Bonnke put it. Et je l'aime de la façon dont Renard Bonnke. He says. He goes about like a il vient roaring lion, comme un lion seeking who is like. Il cherche, but he's not a lion. Mais ce n'est pas un lion. But he is found in the family of cats. Et il se trouve dans la famille des félins. So when he dans des chats. You are going to die. Tu vas mourir. What you need to do? Ce que tu dois faire. Don't worry. Tu ne dois pas t'inquiéter. Get back to the word of God. Et retourne dans la parole de Dieu. Arm yourself with the word of God. Et équipe-toi de la parole de Dieu. And the spirit of God will open your eyes. Et l'esprit de Dieu va ouvrir tes yeux. And you will notice. Et vous allez pouvoir remarquer. That it's not really a lion. Que ce n'est pas vraiment un lion. It is a cat. Mais c'est un petit chat. That is using a microphone. Qui utilise un micro. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 And you know what you do with cats. Et vous savez ce que vous faites avec les chats. You did. Frère Konex, ça va se passer pour toi. Et le frère Konex va commencer à trembler. Ce n'est pas la voix que j'entends. This is not my portion. Ce n'est pas ma portion. I rebuke it in the name of Jesus. Je le rejette au nom de Jésus. And when you look, et quand il regarde, it was one cat using a microphone. C'était un petit chat qui utilisait un micro. That's what we must understand. Et c'est ce que nous devons comprendre. So let me conclude this morning. Et je vais terminer ce matin by the special grace of God, par la grâce spéciale de Dieu, to help some of us. By the special grace of God, pour aider certains d'entre nous par la grâce de Dieu, to maintain a healthy biblical confession, pour pouvoir maintenir une confession biblique et amen? Une sainte confession biblique. Are you enjoying the preaching? Est-ce que vous aimez le message? Somebody says, "Pastor, preaching." Que quelqu'un dit, pasteur, continue à prêcher. Hallelujah. Amen. So, by the grace of God, et par la grâce spéciale de Dieu, if Brother Ken can permit me to use this clip, si le frère Ken peut me permettre d'utiliser cette vidéo. No clip, it's a quotation. C'est une citation, c'est ça. Next week, he will do thanksgiving and by the grace of God. La semaine prochaine, il va remercier l'Éternel. He will share his experience. Et il va partager son expérience. But his supervisor, professor, what's her name again? Palmer, Professor Palmer. I was. Some of you saw on the church group. Certains d'entre vous ont vu sur le groupe. That our brother have changed level. Que notre frère a changé de niveau. Is now Dr. Ken. C'est maintenant Dr. Ken. Hallelujah, but and congratulations. Et félicitations. So I was honored to be in the ceremony. J'ai été honoré d'être à la cérémonie. At the teaching hospital. Et justement à l'hôpital. So. Her supervisor, Professor Palmer. Et justement, celle qui devait le superviser, le professeur Palmer. I don't think even Ken noticed. Je ne sais même pas si le frère Ken a remarqué. That she was watching. Que elle l'a regardé, qu'il l'a regardé. So she began to catalog all the difficulty Ken went through during her PhD.
all the difficulty he went through. Et du coup, elle a commencé à remarquer toutes les difficultés que le frère Ken a traversées durant le processus pour devenir docteur. And it says in the process of that COVID came, I remember. Dans le processus de cela, le COVID est arrivé. So 6 months. Parce que c'est 6 mois. Nothing happened. Rien ne s'est passé. So he said, I can see he's frustrated. Et elle a dit, je pouvais voir qu'il était frustré. He went home. Il est retourné chez lui. Came back. Il est revenu. Still fighting. Il combattait toujours. Nothing seems to be working. Rien ne me semblait marcher. So, I mean, I don't know if she's a Christian. Je ne sais pas si c'était une chrétienne. But she made this statement Mais that elle a touches dit cette phrase qui m'a touché. You see, she says what really touches me about Ken. Et elle a dit ce qui m'a vraiment touché à propos du frère Ken. His determination, sa détermination, his perseverance, sa persévérance, and his dedication, et son implication, to succeed, pour réussir. And today, aujourd'hui, we celebrate, nous le célébrons, what he determined to have, ce qu'il a déterminé à avoir. And he says congratulations. Et je vous félicite. I says wow. Je dis wow. I said I don't know if she is a Christian. Je sais pas si c'est une chrétienne. But she is an intellectual. Mais elle est c'est une intellectuelle. She's very educated. Elle est très éduquée. But how for me as a believer? Mais pour moi en tant que croyant, it should have been easy. Ça aurait été facile for Ken to give up. Pour Am que le frère Ken abandonne. I know there are times Ken also shared some of the all I can say, just push on. Je sais qu'il y a eu des moments just où il m'a partagé des difficultés, so mais je dis, saying, continue à avancer. How many times et combien de fois unbelief have struck our brother's mind? Combien de fois le non-croyance a arrêté la pensée du non-frère? You are just wasting your time. Am I right, brother? Tu perds juste ton temps. In fact, why are you here? Just return back home. Et d'ailleurs, pourquoi es-tu là? Retourne chez toi. Others have tried, they failed. Et les autres ont essayé, ils ont échoué. I declare where they failed, you will succeed in Jesus' name. Mais je déclare où ils ont échoué, toi tu vas être victorieux. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. I happened to talk to the lady after the professor. Et j'ai pu justement parler à cette femme après. And just have some idea into her mind. Et pour avoir une petite introspection Because de I'm sa pensée. A believer. Car je suis un croyant. Proud to be a believer. Je suis fier d'être un croyant. And everything links with Christianity, whatever I do. Et tout est lié avec le christianisme, tout ce que j'ai fait. And I was able to understand. Et j'ai pu comprendre. There are many other students. Il y a plusieurs autres étudiants. That collapse under the weight of pressure. Qui se sont écroulés. Qui se sont écroulés sous la poids de la pression. But as there is something about a believer. Mais il y a quelque chose avec un croyant. There is something about us that believe. Il y a quelque chose avec nous qui croyons. Because we are not called to fail. Car nous ne sommes pas appelés pour échouer. We are called to win. Mais nous sommes appelés à Hallelujah. Victorieux. We are not called to go backward. Nous ne sommes pas appelés à aller to de go l'arrière. Forward. Mais nous sommes appelés Because à God aller de l'avant car Dieu by our side. Car Dieu est de notre côté. So this was the promises. Alors c'était les promesses that God gave to Jacob. Que Dieu a donné à Jacob. He says Jacob. Il a dit Jacob. I know things are hard for now. Je sais que les choses sont dures pour maintenant. I know things are difficult for you right now. Les choses sont difficiles maintenant. I know you are running away from you're running away like from the problem. Et je sais que tu essaies de fuir les problèmes. But I'm sending you back. Don't run away from the problem, but you must go back to face the problem. Mais je vais te renvoyer là d'où tu viens sur ta terre et tu dois aller faire face à tes Can problèmes. Can I have an amen? Est-ce que je peux avoir un amen? There are many times I've asked the Lord. I will confess that. Il y a plusieurs fois où j'ai demandé à l'Éternel. Lord, I don't think I can manage. This Seigneur, is too much. Je ne pense pas que je puisse Honestly, gérer cela, c'est trop. Pastoring is quite a wonderful vocation. Et être pasteur, c'est une magnifique vocation. But it comes with a price. Mais ça vient avec un prix. It comes with a price. Ça vient avec un prix. And if you are not determined, Et si vous n'êtes pas déterminé, I'm telling you, I've known many colleagues that have abandoned. Je connais énormément de collègues qui ont abandonné. At this point, à ce point. At this point. À ce point. When the weight. Quand le poids. Of ministry or whatever you're doing is not coming forth. Quand la masse et
tout ce que tu as essayé de faire, le ministère n'arrive pas. The dreams, the project. Le rêve, le projet. The devil begin to use that against you. Et le diable commence à utiliser ces choses contre toi. I'm telling you, this at the time. Et je vous le dis, c'est le moment. God must involve. Là où Dieu va être impliqué. I beg you. Et je vous le dis. Listen to me very carefully. Écoutez-moi très attentivement. When these strange voices start coming. Et quand ces voix commencent à arriver. I beg you by the mercies of God. Je vous le dis par, je vous en supplie par la miséricorde. If you have to pray more, pray more. Si vous devez prier plus, if you have plus. To fast, fast. Si vous devez jeûner, jeûner. You have to force yourself. Si vous devez vous forcer, forcez. This vous. Was what happened. C'est ce qui s'est passé. The Bible says. La Bible nous dit. God instructs. Dieu a donné instruction. Jacob not to go back. À Jacob de ne pas retourner. You must move on. Et mais tu dois aller de l'avant. Can I have an amen? Est-ce que je peux avoir tell un amen? Tell yourself I'm moving on. Et tu dois dire j'avance. Tell yourself I'm moving on. Et dites-vous j'avance. No, no, regardless of the challenges I'm moving on. Et peu importe les épreuves qui arrivent j'avance. Amen. And God promised him, et Dieu lui a promis, I will be with you. Je serai avec toi. And I declare that God will be with you et this je déclare morning. Que l'Éternel soit avec vous can ce matin. I have an amen? Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Amen. And in the process et dans of le processus du temps, there is something il y a quelque chose that is very dangerous qui est très dangereux that just, that Jacob did. Que Jacob a fait. Give me the two Proverbs, 26:12 and 3:7. Et Proverbe 26:12 et Proverbe 3:7. Amen. Amen. 26, Proverbe 26:12. He says, do you see a man wise in his own eyes? There is more hope for a fool than for him. 3:7. Do not be wise, where? In your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. What is this? What is the Holy Spirit saying here? Ce que le Saint-Esprit nous dit ici. It is simply. C'est simplement. That there is going to be a time. Il va y avoir un moment. When we are going to lean. Où nous allons. Appuyer in our own intelligence. Nous allons nous appuyer sur notre propre in intelligence. In our own wisdom. Sur notre propre sagesse. That's what Jacob did. Et c'est ce que Jacob a fait. By deceiving and finding his way to. Take the destiny. En essayant de décevoir et en essayant carefully. De prendre la destinée. Because car what happened? Ce qui s'est passé? That when the pressure. C'est quand la pression. Was on on Jacob. Était sur Jacob. He relied on his own wisdom. Il s'est appuyé sur sa propre sagesse. He relied on his own understanding. Il s'est appuyé sur ses propres compréhensions. He relied on his own whatever, il if I can say that. Il s'est appuyé sur tout ce qu'il a ah dit. Oui, I have been in that position on many, many occasions. Et j'ai été dans cette position pour plusieurs occasions. Where I prayed. Là où j'ai prié. I prayed. J'ai prié. I prayed. J'ai prié. But nothing happened. Mais rien ne s'est passé. Then I switch. Et j'ai tourné. To my strength. À ma force. To my wisdom. Et à ma sagesse. To my intelligence. À mon intelligence. To my resources. À mes ressources. To my skill. À mes habiletés. To make things work for me. Pour que les choses puissent se passer dans le meilleur. It's a dangerous place to be. Mais c'est un endroit très dangereux à être. Because you will fail. Car vous allez échouer. This is what he says. C'est ce qu'il dit. Trust in the Lord. Croyez en l'Éternel. With all your heart. Avec tout ton cœur. And lean not. Et ne vous appuyez on pas your own sur votre understanding. Propre compréhension. But in all your ways. Mais dans toutes vos voies. Acknowledge him. Et louez-le. And he shall direct. Et il dirigera your path. Vos pas. Listen to me. Écoutez-moi. I beg you. Je vous en supplie. J'ai été là. I have tried. J'ai essayé. I use everything j'ai I utilisé have. Tout ce que j'avais. At this point, et à ce point, I switch et j'ai tourné from spiritual au spirituel to manual. À un manuel. I begin to manipulate j'ai essayé things. De manipuler les choses. But it's so bad. Mais c'est tellement mauvais. It's so bad c'est tellement mauvais because what happened, car ce qu'il se passe, you keep God out of it. Et on essaie de sortir Dieu en dehors de cela. May you invite God again to your et inviter Dieu dans vos projets. I don't care what is happening. Et peu importe ce qu'il se it passe. Says, trust in the Lord. Croyant en l'Éternel. With all avec tout your heart. Votre cœur. And lean not et ne vous appuyez pas on your own sur vos understanding. Compréhension. I'm telling you. Et je vous le dis. If it is not for the decision to trust in the Lord. Si ce n'aurait pas été pour la décision de croire en l'Éternel, I should have given up. J'aurais déjà abandonné. But thank God. Mais je remercie l'Éternel. When my understanding failed, quand ma compréhension échoue, God lifts me up. L'Éternel m'élève. So now,
Maintenant, let's look again something as we conclude. Et regardons quelque chose avant de finir. In our scripture, et en notre écriture, the Bible says, l'écriture nous dit, as Jacob, comme Jacob, was contemplating in his mind, contemplait dans sa pensée, battling with unbelief, et il est en train de combattre contre la non-croyance, and it comes with questions, et c'est venu avec des questionnements, it comes with questions, c'est venu avec des questionnements, oh God, oh Seigneur, will this happen? Est-ce que cela va se passer? Can I make it? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Will this happen? Est-ce que ça va se passer? Can this story turn around? Est-ce que cette histoire peut se bien se tourner? Can I don't know what your question, what your battle is this morning. Je ne connais pas votre bataille ce matin. Let me speak to somebody right now. Mais je vais parler à quelqu'un ce matin. You may be going through the battle right now. Vous pouvez traverser des batailles maintenant. There is something the enemy is playing into your mind. Il y a quelque chose que l'ennemi est en train de jouer dans votre pensée. Am I speaking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Some of you have already determined the outcome of your situation even before the end. Et certains d'entre vous ont déjà essayé de trouver la conclusion à votre situation même avant la fin. Can I repeat this? Est-ce que je peux répéter cela? It is a lie from the enemy. C'est un mensonge de l'ennemi. God will give you the victory. Et Dieu va vous donner la victoire. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. As all this was going out in the mind of Jacob. Et pendant que tout cela était en train de jouer dans le pensée de Jacob. The Bible says. La Bible nous dit. A man came. Un homme est venu. I pray. Et je prie. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. God will send a helper right now. Que Dieu va envoyer quelqu'un qui va vous aider and maintenant. And the Bible says this man begin to fight with Jacob. Et la Bible dit que cet homme a commencé à se combattre contre Jacob et ils ont combattu. Which kind of fight we may not properly explain. Quel type de bataille, quel type de combat, nous ne pouvons pas l'expliquer. But there was a fight. Mais il y a eu une bataille. Please don't give up. Mais n'abandonnez pas. Can I speak to somebody? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? You are just about to enter your victory in Jesus' name. Vous allez entrer dans votre victoire. I said you are about to just enter your victory. Vous allez entrer dans votre victoire. I am prophetically speaking to you right now. Prophétiquement. There is a battle. Il y a une bataille. That you are winning right que now. Vous allez gagner maintenant. If you don't give up. Si vous n'abandonnez pas. And the Bible says the battle. La Bible nous dit que la bataille, ils se sont battus. And ils finally, se sont battus. Et finalement, the Bible says, la Bible nous dit it was now in the morning. Que c'était le matin. Yes, I saw somebody seeing the horizon. Et oui, je vois quelqu'un voir l'horizon. I saw somebody seeing the je vois quelqu'un rising. Voir le soleil qui se lève. In the name of et Jesus. Au nom de Jésus. And the man said, et l'homme a dit, leave me, I want to go. Laisse-moi, je vais partir. Jacob said, et Jacob a dit, No. I will not let you go. Je ne vais pas te laisser partir. Unless you bless me. Et si tu ne me the bénis pas. Says, no, et no, l'homme no. a dit non. And there was et l'homme a, battle. A dit non, il y a une bataille. And the man et l'homme a dit, in question, et l'homme en question, says, okay, cool down. Il a dit, d'accord, calme-toi. What is your name? Quel est ton nom? Says my name. Mon nom is Jacob. C'est Jacob. And he asked, what is your name? Et il a dit quel est ton nom? He says I will not tell you. Je ne vais pas te dire. But what I'm going to say? Mais ce que je vais te dire. Today, aujourd'hui, you have got the victory. Tu as eu la victoire. Because you fight. Car tu as combattu. With God. Avec Dieu. And you won. Et tu as gagné. This is too big. Et ça c'est trop grand. You fight with God and won. Toi tu as combattu contre Dieu, tu as gagné. It's another level c'est un of autre confidence. Niveau de confiance. He says leave me. Il a dit lâche-moi. I want to go. Je vais partir. And Jacob says. Et Jacob a dit. I will not leave you. Je ne vais pas te laisser. Unless you bless me. Si tu ne me bénis pas. The question is, et la question est, how many of us are determined? Combien d'entre nous nous sommes déterminés ce matin? Some of you have given up on your prayer. Et certains d'entre vous vous avez abandonné dans vos prières. I announce to you, et je vais vous annoncer, that you are just at the border of your breakthrough. Que vous êtes juste à la frontière de votre percée. You're just at the border of your breakthrough. Vous êtes à la frontière de votre percée. Amen. Amen. You are here to be encouraged. Vous êtes là pour être encouragé. You are here to be fortified by your faith. Vous êtes là pour fortifié de la foi. Jacob, et Jacob told the Lord a dit à l'Éternel in Bethel, that à place, Bethel, in Genesis 28. En Genèse 28. He says, Lord, il a dit Seigneur, if you will return me back, si tu me fais retourner là, to my place, là d'où je viens, where I belong, là d'où je viens, this is what I will do. This is what I will do. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. You remember? Go and read it again. Est-ce que vous vous rappelez? Relisez-le. He made a covenant. Il a fait une alliance. Can you do a covenant today? Et est-ce que tu peux faire une alliance aujourd'hui? Because it is linked with a promise. Car c'est lié avec une promesse. God, Seigneur, it's not by my strength. Ce n'est pas par ma force. It's not by my power. Ce n'est pas par ma puissance.
But give me the grace to accomplish. Donne-moi la grâce it. Pour pouvoir accomplir. He called the place Bethel. Et s'il a appelé cet endroit Bethel, the house of God. L'endroit et la maison de Dieu. I didn't know that that God is here. Je ne savais pas que Dieu était là. He made a covenant. Et il a fait une alliance. And the covenant. Et cette alliance actually provokes divine intervention. A vu justement engendrer une intervention divine. God came down. Dieu est descendu. Wrestled with Jacob. Et il a combattu contre Jacob. And that day. Et ce jour. Says from this il a dit, day, à partir d'aujourd'hui, your destiny have changed. Ta destinée a changé. You will no longer be called Jacob. Tu ne t'appelleras plus Jacob. You will be called Israel. Mais tu t'appelleras Israël. I saw the Lord changing names. Et here, je hallelujah. Vois l'Éternel changer before, de nom. Before they were calling you this. Avant, ils t'appelaient comme they cela. They were calling you that. Ils t'appelaient comme ça. But I see people now. Mais je vois des gens maintenant. Bowing down. Qui s'agenouillent. To greet you in Jesus' name. Et qui font une révérence. God, pour only God can do that. Et c'est seulement Dieu qui peut le faire. Some people have written you off. Certains des personnes t'ont écrit. Am I speaking to somebody? T'ont décrit. You've had it. They might have not said it before you. Ils te l'ont pas dit devant toi. But they have written you off. Mais ils t'ont déjà décrit. Like how some wrote off brother Efe Dayo. You remember, brother, lift up your hand. We had. Nous avons entendu. They wrote. Ils ont écrit des mauvais but choses. I thank God, mais ce qui est, je remercie it was man's hand that wrote him off. C'est la main de l'homme when qui a écrit the divine hand entered that brother. Mais quand la main divine even the written off was approved. Même la mauvaise let somebody give the Lord a clap of hand. Quelqu'un applaudisse pour l'Éternel. The written off was approved même by la heaven. Mauvaise écriture a été approuvée au ciel. Brother, every time I see you, you make me to believe God even more. À chaque fois que je te vois, tu me fais croire en Dieu plus. J'étais là. I know. Je sais. Every time I think about you, I say, à chaque fois que je pense à toi, je dis God Dieu. Is too big. Je dis Dieu est trop grand. For some of us that knows the story. Pour certains d'entre nous qui connaissent l'histoire. Thank you, brother Franklin, for merci le frère that. Franklin pour avoir even the hands that wrote him off. Même les mains qui ont écrit du mauvaises choses à propos de lui. When the divine hand came. Quand la main divine est entrée. There are some people that have announced your death. Il y a des gens qui ont annoncé ta mort. I declare right now. Je déclare maintenant. The same mouth que la même bouche that declare your death. Qui a déclaré ta there mort. Will be the same mouth ça va être la même that bouche will announce your resurrection. Qui va annoncer ta résurrection. I'm speaking to you online. Et je parle même à vous somebody en ligne. Have wrote you off like Jacob. Quelqu'un vous a écrit du mal à propos they de vous. Written you off. Et le diable a écrit du mal à propos de vous. But God, divine hand is coming onto mais you la right main now. De Dieu divine arrive sur toi maintenant. The same mouth et la même bouche that declare qui a déclaré that you're dead, que tu es mort, you're finished. Que tu es fini. C'est fini. There will be this, even if they don't want to announce it. Même s'ils ne veulent pas l'annoncer. Dieu va le gifler. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. The same mouth will go. Et la même bouche. Have you heard? Est-ce que vous avez what déjà entendu ce qui s'est passé let's celebrate Jesus. Que quelqu'un célèbre hey. L'Éternel. Hallelujah. Alléluia. Let's celebrate Jesus. The same mouth. And some of the mouth that announced his resurrection. Et même l'un de certains de ces bouches qui ont annoncé la résurrection. Today they are the same mouth announcing. They announce his death. They announce. Et les mêmes bouches qui ont annoncé la mort, c'est ceux qui vont annoncer la résurrection. I will change your name. Je vais changer ton nom. You will no longer be called that. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras some plus comme people, cela. Some people know you for this, know et you for that. Certaines know personnes you. Vous connaissent but pour cela. But God is changing your name mais right now. En train de changer ton nom God maintenant. God is changing your family name. Il est en train de changer le nom de ta God famille. God is changing your situation. Il est en train de changer ta situation. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. Unbelief will not et win. La non-croyance ne va pas combattre, ne va pas vaincre. Will win in Jesus et la victoire name. Va gagner au nom de Jésus. As we conclude this et en terminant ce matin, be encouraged. Soyez encouragés. Rest. Be faithful. Et soyez fidèles. We all have a Bethel. Et nous avons tous une Bethel. A place un endroit where we are going to talk to God. Où là où nous allons parler à Dieu. Where God is going to change destiny. Où Dieu va changer les situations. And that's where we are this morning. Et c'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. God took unbelief. Et l'Éternel a pris la non-croyance. Jacob was unbelief. Et Jacob était non-croyant. Israel is belief. Et maintenant Israël c'est la croyance. Hallelujah. Hallelujah. And since that day, et depuis ce jour, you can hear people praying. Vous pouvez entendre dire the God of Abraham, que le Dieu d'Abraham, the God of Jacob, le Dieu de Jacob, and the God of Isaac, et le Dieu d'Isaac. So shall people name you. Et c'est comme ça que les gens te nommeront. The God of Desmond. Le Dieu de Desmond. The God of Benjamin. Le Dieu de Benjamin. The God of Orlando. Le Dieu d'Orlando. The God of Hubert. Le Dieu d'Aubin. The God of Zainab. You know. Le Dieu de Zainab. Because
God is going to do something in your life Dieu va faire quelque chose that dans votre people vie, will relate it to your God. Et que Dieu va le and à they Dieu, will know et ils vont savoir that those que Dieu that know their God connaissent leur Dieu shall be great seront grands and they shall carry great exploits. Et ils, the good ils porteront des Lord grands exploits. You. Que le bon in Dieu Jesus te bénisse name, au nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Donc vous êtes ici, bien-aimés. Nous allons merci d'être venu. Thank you for your coming. Et votre temps. And for your time. Et en espérant que Dieu a parlé. And I hope that God speaks to you. Ce n'est pas moi qui l'a parlé. It's not me that that speak. Honnêtement. Honestly. Je me présente devant Dieu comme un instrument. I present myself before God as a tool. Pour vous encourager. To encourage you. Par la parole. By the word. C'est vrai que nous avons toutes des batailles, des incrédulités. It's true that we have all battles. D'abord, vous êtes ici peut-être pour la première fois, si or maybe you are present for the first time. Dans la salle ou bien en ligne. Maybe online or in the church. On peut dire la première part. But we can say that the first part. Pour avoir une victoire. To have a victory. C'est d'abord donner votre vie à Jésus-Christ. It's so first to give your life vous voyez, to Jesus le christianisme, ce n'est pas une religion. Christian life is not a religion. C'est pas un mouvement même. It's not a movement. C'est une relation. It's a relationship. Et très personnel. A very personal relationship. Et cette relation, and this relationship, c'est ça qui produit ce que nous avons aujourd'hui quand on parle famille de Dieu. This relationship we produce the what we are called today. The family c'est-à-dire of God. Vous attachez votre vie, votre famille, your family and your life dans une atmosphère, it's in his atmosphere de l'amour de Dieu. Love. C'est pour ça nous sommes là. And that's why we are here today. Et chaque dimanche, every, nous venons Sunday, ici we come here pour être édifiés, encouragés. To come and build and to come donc to alors, encourage. Vous êtes prêts ce soir, ce matin, and you are ready this morning de recevoir cette recevoir, merci, to receive cette don, this gift, et c'est gratuit, and it's free of charge. Ça s'appelle la vie éternelle, and it's called the eternal life. C'est-à-dire tous nos péchés, and all our sins sera pardonné, will be forgiven. Et aujourd'hui, and today. J'avais pris cette décision il y a 30 ans. I took this decision 30 years ago. Je ne peux pas jamais imaginer. And when I couldn't even imagine. Que Dieu est tellement bon. Hallelujah. That God is so good. Et aujourd'hui, bien aimé. And so today. Vous êtes dans la même situation. You are in the same situation. Tu es même dans une bataille émotionnelle, psychologique. Yeah, even in a psychologic battle. Des fois même physique. Emotional battle, or sometimes even physical battle. Franchement, je suis pas la personne qui donne le miracle. I'm not the person that gives miracle. Je suis pas la personne qui crée le miracle. I'm not the person that creates miracle. Jamais. Never. J'ai besoin même le même miracle comme toi. I need the same miracle like you. Mais je me présente Jésus-Christ. But I present Jesus Christ. Devant vous ce matin. Before you this morning. Tu dis oui, pasteur. You said yes, pastor. J'aimerais essayer Jésus. I would like to try Jesus. Je sais pas qu'est-ce que ça va. C'est très profond spirituellement qu'on ne peut pas arriver à exprimer not, le sentiment de se suivre cette décision. I can't express the feeling that accompanies this decision. Mais il y a une chose que je veux te dire. But there is something that I want to say. Il y aura une transformation. There will have a transformation par le Saint-Esprit. By the Holy Spirit. Et vous êtes là. And you are here today. Vous dites pasteur. And you said pastor. Je vais prier cette prière. I'm going to pray this prayer. Je vais donner ma vie à Jésus-Christ. I'm going to give my life to Jesus Christ. Vous pouvez lever vos mains, bien-aimés. Je veux you prier can lift vous. Up your hands. Ou si vous êtes en ligne, on peut or prier if ensemble. If you're online, we can pray together. Donc vous pouvez répéter cette prière. C'est très simple, mais c'est très puissant. And you can repeat this prayer. It's very simple, but it's very powerful. Vous répétez. You can repeat. Seigneur Jésus. Say, Jesus. I come to you this afternoon. Je viens cet après-midi. I thank you. Je te remercie.
for giving me the grace to be in this meeting. De m'avoir donné la grâce d'être dans cette réunion. I was not even wanting to be here. Je ne voulais même pas être là. But I came. Mais je suis venu. Thank you for that grace. Merci pour cette grâce. Thank you for the gift. Merci pour ce don. Of your son Jesus. De ton fils Jésus. Today. Aujourd'hui. I repent. Je me repens. For all my sins. Pour tous mes péchés. I'm asking you, Jesus. Je demande à toi, Jésus. To come into my life. Que tu viennes dans ma vie. Come into my life. Viens dans ma vie. I receive. Et je reçois. The gift of salvation. Le don du salut. Given by your son Jesus. Donné par ton fils Jésus. Thank you, Father. Merci, Jésus. For this wonderful family, pour ce magnifique famille that I have received today, que j'ai reçu aujourd'hui, in Jesus' name, au nom de Jésus, amen, amen, hallelujah. Thank you, Jesus. I want to change the order of the call. J'ai changé l'ordre d'appel. There are people. We are all fighting battles. Nous combattons tous une bataille. I asked the question. Je posais une question. I'm fighting mine. Je combat ma bataille. But possibly we are fighting it on our own strength. Et nous combattons cela peut-être par notre propre force. It will be difficult. Ça va être difficile. At the point Jesus made this statement. Et à moi-même Jésus a dit cette phrase. He says, Lord. Il dit, Seigneur. If it's not my will. Si ce n'est pas ma volonté. It is not my will. Ce n'est pas ma volonté. But let your will be done. Mais que ta volonté soit faite. If it's your will to allow this cup to pass over. Si c'est ta volonté de faire déborder cette coupe. Let it be done. Que ta volonté soit faite. But if it's your will. Mais si c'est ta volonté. To go through this cup. De traverser cette. De traverser cette coupe là. Cette coupe. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Let your will be done. Que ta volonté soit faite. And when the revelation here is. Et quand la révélation ici c'est. When the will of God be done. Quand la volonté de Dieu est faite, you end up being on the side of victory. Vous êtes, vous faites partie du côté victorieux. This morning, ce matin, I want us to rise up on our feet. Levons-nous. The prayer is simple. Et la prière est simple. The grace, la grâce, to have the victory. Pour avoir la victoire. Some of us, I want you to begin to pray right now. Et certains d'entre vous commencent à prier. Jacob prayed all night. Jacob a prié toute la nuit. I'm not saying we have to pray until tomorrow morning like this. Je ne dis pas qu'il faut qu'on prie jusqu'à demain matin but comme cela. But there is a battle. Il y a une bataille that you are going through right now. Que vous traversez maintenant. That God have to release that angel to come. Que Dieu doit relâcher cet ange pour venir. And when that angel came. Et quand cet ange viendra. He says today. Il dit aujourd'hui. You have got victory. Tu as eu la victoire. You fought with God. Tu as combattu avec Dieu. And you won. Et tu as gagné. You will no longer be called Jacob. Tu ne t'appelleras plus Jacob. You will be called Israel. Tu t'appelleras Israël. Prince with God. Et le prince avec Dieu. Can you submit those battles? Est-ce que tu peux soumettre ces batailles devant? I want you to open your mouth to pray. Honnêtement, bring it before God. Remettez-les devant Dieu. It might be family. Ça peut être familial. It might be immigration. Ça peut être des problèmes d'immigration. It might be sickness. Ça peut être la finances, job. La finance, le travail. It's a battle. C'est une bataille. Emotional, psychological. Émotionnel, psychologique. Physical. Wrestle with him right now. Combattez avec lui. Wrestle with him right now. Then we're going to pray to conclude. Et nous allons prier pour conclure. Yes, Lord. Yes, Lord. Lord, your people, we are here. It's unbelief. There are thoughts that the enemy have planted in your mind and your heart. These are not thoughts that comes from God. Il y a des pensées que l'ennemi a plantées dans votre vie, votre pensée, votre esprit, ça ne vient pas jamais de Dieu. Il faudra arracher ça. Il faut l'arracher ça. Alléluia. It's not of God. It's not of God. It's not of God. Oh, thank you, Jesus. Oh, every thought. Every thought. God, give us victory. Please, God, give us victory. Please, Lord, give us victory. Lord, there are people fighting right now. Lord, there are people, oh God, there are situations, God, that we desperately need your intervention in the name of Jesus, oh God. Lord, a miracle. God, let that angelic
visitation come forth right now. Let that angelic presence, hallelujah, come on behalf of your people right now in the name of Jesus. In the name of Jesus, I pray right now, Lord. Hallelujah. Let there be that angelic presence helping your people right now in the name of Jesus. There is no way, Lord, we can fight this battle alone in Jesus' name. I ask that whatever he or she is going through at this moment, there is going to be a divine, as you did it for Jacob, so it shall be done for your sons and your daughter. In the name of Jesus, we desperately need help. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Merci, Seigneur. Oh, thank you, Jesus. Lord, those battles, God, those make ways right now, God, where there seems to be no way. Thank you, God, for changing those destinies right now in the name of Jesus. I thank you, Father. Hallelujah. Jesus' name. So much for me, I cannot tell it all. La parole de Dieu. Can we put our hands together for the word of God? Vous pouvez vous asseoir. You can take your seat. Nous rendons grâce à Dieu pour ce message. We want to give grace unto God for this wonderful message this morning. Parce que à chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, every time the word of God is preached, nous sommes en connexion avec Dieu. In connection with God. Et c'est Dieu qui nous parle. And it's God talking to us. Amen. Amen. Donc nous allons passer à l'offrande. It's offering time. Et le moment de l'offrande aussi, c'est une occasion qui nous est donnée pour bénir l'œuvre de Dieu. And offering time, it's also an opportunity that God has given us to bless him. Nous bénissons l'œuvre de Dieu au travers de
nos biens. We bless the work of God with our with what we have. Parce que si cette œuvre, si cette église est ici à Marseille, if this church is here today in Marseille, c'est parce qu'il y a eu des frères, il y a eu des sœurs aux États-Unis qui ont dû s'aimer aussi dans le royaume de Dieu. It's because we have brothers, sisters, a church in America that supports in the work of God. Donc nous n'allons pas garder la grâce uniquement pour nous ici à Marseille. And we will not keep that grace uniquely for us in Marseille. Il faut que l'œuvre de Dieu se répande dans les quatre points cardinaux de la terre. And we need to spread the word of God in the four corners of the earth. Et pour continuer à œuvrer. And we continue to walk. Pour répandre la parole de Dieu dans les quatre points cardinaux de la terre, nous avons besoin de moyens. To answer to the call of God in the four corners of the world, we need a way. We need a way. Nous avons besoin d'argent. We need money. Jusqu'à présent, nous sommes en location. Nous louons cette salle. For the moment, we are paying rent. We are renting this building. Nous avons des charges à payer. We have charges to pay. Nous avons la taxe foncière à payer chaque année. We have tax foncière to pay each and every year. Voilà. Donc, nous avons besoin de moyens pour pouvoir soutenir les différentes charges de l'église. And we need money to pay for the different charges of the church. Et nous prions Dieu pour qu'il puisse nous bénir afin que nous devenions propriétaires aussi de ce lieu. And we are praying and believing God that he will make us to own this building or our own building. Amen. Amen. Parce que Dieu est capable. God is able. Donc je vais juste lire le passage de Malachie 3:10. I'll just want to read a verse from the Malachi chapter 3 verse 10. La Bible déclare: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Donc nous avons ces promesses de l'Éternel, and we have those promises from God, qui nous demande de s'aimer dans sa maison, that commands us to bring all our tithe into his storehouse. Et que si nous avons des batailles, if we have our battles, si nous avons des difficultés, difficulties, si nous pensons que nous avons des situations impossibles, and situations that are impossible, Dieu nous autorise de le mettre à l'épreuve. God is asking us to put him to a test. Dieu nous autorise de le mettre au défi. God is asking him to put him to a test, a trial. Au travers de nos dîmes et au travers de nos offrandes. By our tithes and our offerings. Et Dieu dit, si vous me mettez au défi, and God is saying, if you put me to a test, vous verrez comment j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux. You will see how I will open the windows of heaven for you. Et la bénédiction se matérialisera. And the blessing will be seen. Donc c'est avec cette assurance de cette parole, with this assurance of his word, que nous allons prier, nous allons déclarer des paroles prophétiques sur nos offrandes, sur nos dîmes. Let us declare prophetically the word of God through on our tithes and our offering. Donc je vous invite à prendre vos offrandes, vos contributions, vos dîmes, vos offrandes. I invite you to take your offerings, your tithe, whatever offering you want to give unto the Lord. Et nous allons prier tous ensemble. And we are going to pray together. Conformément au livre de Malachie 3:10. Concerning Malachi 3:10. Nous allons confesser les paroles de Malachie 3:10. Confess Malachi 3:10 over your offering and your tithe. Nous allons rappeler à Dieu sa promesse dans le livre de Malachie 3:10. Put God to remembrance of his word in Malachi 3:10. Donc pendant que la chorale s'installe, donc nous allons tous ensemble prier. Let us pray while the choir is getting ready. Prions. Éternel Dieu de toute éternité, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes ce matin de pouvoir contribuer Seigneur au rayonnement de ton royaume sur la terre. Père, nous te prions conformément au livre de Malachie 3:10 Seigneur. Nous te prions ô Dieu éternel afin que tu te souviennes Seigneur de tes paroles Seigneur et que tu ouvres éternel les écluses des cieux Seigneur à cet instant précis Seigneur afin que tes bénédictions, tes grâces
se matérialise et coule à l'abondance dans la vie de chacun et chacune. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. So for them, so I want to say thank you voilà, merci pour votre participation. For your participation. Et merci aussi pour votre venue. And I want to thank you also for coming. Et n'oubliez pas que l'église, le pasteur peut-être avait oublié pour les annonces. On avait annoncé des participations pour les médias. Si vous avez oublié, and c'est un rappel. Don't forget to want to remind you your contribution towards the media. It's a reminder. Et aussi merci pour notre frère qui est venu nous rendre visite aussi aux États-Unis. And want to thank also Mark for coming. Et c'est vraiment une grâce. It's a grace of God. Et nous merci aussi à tous ceux qui nous suivent en ligne. And want to thank all of you that are following and watching online. Pour leurs encouragements. Oh, for your messages, for your encouragement. We want to say thank you. We appreciate you. C'est ainsi que je vais prier pour la fin. And God bless you as well as I do the end of prayer. Il y a aussi la réunion des femmes à la fin du culte. Don't forget we have don't forget women don't go. We have a short meeting at the end of the service. Amen. Amen. Donc je prie le Seigneur. I'm going to the closing prayer. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père pour ton amour. En ce matin Seigneur, c'est une joie de participer et d'être présent à cette réunion. Seigneur, te disons merci Seigneur mon Dieu parce que Seigneur, nous sommes très heureux de revoir notre sœur Lala qui est venue en ce matin participer au culte avec toi. Seigneur, je veux te dire merci Seigneur mon Dieu parce que tu es fidèle. 2 années Seigneur mon Dieu de maladie, 2 années Seigneur mon Dieu, tu l'as encouragé, tu l'as fortifié. Tu l'as gardé, Seigneur mon Dieu, à l'abri de toute, oh Seigneur mon Dieu, attaque du diable.
Seigneur, pour cela, je veux te dire merci. Je veux te dire merci, Seigneur, mon Dieu, pour mes frères et sœurs qui sommes ici. Merci parce que, Seigneur, c'est toi qui connais le problème de chacun de nous. Tu connais, Seigneur, mon Dieu, la bataille de chacun de nous. Mais, Seigneur, tu nous dis, ô Père, que tu ne nous abandonnes pas. Tu nous dis, ô Seigneur, que tu te souviens de nous. Seigneur, donne-nous la force de demeurer ta présence. Donne-nous la force, Seigneur mon Dieu, de ne pas retourner en arrière. Seigneur, aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous accrocher à toi. Parce que, Seigneur, tu es le rocher. Seigneur, aucun vent, aucune pluie, Seigneur mon Dieu, aucune tornade ne pourra, Seigneur mon Dieu, nous séparer de toi. Seigneur, ce matin, tu as parlé à nos cœurs. Tu as parlé, Seigneur mon Dieu, à notre âme. Seigneur, permets que, Seigneur, chacun de nous puisse mettre en pratique le message qu'il a entendu ce matin. Permet que chacun de nous, là où il soit, dans tout le monde entier, qu'il écoute ce message. Seigneur, aide-nous à surmonter chaque épreuve que nous traversons. Seigneur, nous prions pour le pasteur Bangora. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour les églises à Massé. Nous prions, Seigneur mon Dieu, pour tes fidèles, pour tes serviteurs que tu utilises pour nous encadrer. Parce que, Seigneur, ce n'est pas une tâche facile pour eux. Mais, Seigneur, tu es l'omniscient et, Seigneur, tu es capable de tout. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Au nom que j'ai prié. Amen. Amen. Donc, bon dimanche à tous.